Bonjour, bonsoir, salut, j'espère que vous allez bien. En tout cas, ça va bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact dans laquelle on va jouer avec Keqing que j'ai débloqué il y a quand même un sacré bout de temps, mais que j'ai jamais fait de vidéo à propos d'elle, étant donné que je ne la jouais pas, mais que j'avais augmenté, je ne sais même pas pourquoi en fait. Donc, les gars, dans cette vidéo, on va aller. Oh, j'ai failli me couper la parole, c'est désagréable, enfin. Donc les gars, dans cette vidéo, on va aller battre des World Boss encore une fois avec cette fois-ci une team que Sucrose et Bennett. Team super bien, team un peu classique de Sucrose, sauf que à la place de Sucrose, enfin pardon, team classique de Keqing, mais à la place de Sucrose, on met Kazuha. Du coup, voilà les guys. Donc je vais vous présenter un peu ma Keqing et du coup mes autres personnages, je pense que vous les avez déjà vu en vidéo, peut-être pas mon Xingqiu. Donc ma Keqing, en fait je lui ai mis des artefacts que j'avais déjà encore une fois comme à chaque fois dans mes vidéos. Je n'avais pas, je n'ai pas de 7 électro, du coup je lui ai mis 2 pièces attaque, super bien déjà. Donc on est sur du 2000 d'attaque et on est sur 1700 PV et 61 de maîtrise élémentaire. Et ensuite en stats incroyable, on est à 40 de taux crit, peut-être on peut un peu augmenter. Et on est à 271 de dégâts crit les gars, c'est énorme. J'ai envie de faire 300 pour le mettre dans la miniature en fait, c'est juste ça, dans le titre. En arme, du coup j'ai mis le Miss Splitter ou reflet tranche brume que j'ai dans la vidéo que vous pouvez voir en droite de votre écran. Et aussi du coup artefact, tac, je vais vous montrer les stats vite fait, tac, hop. Là on a une super plume, hop, hop, et hop, directement. Alors elle est C0 et ses attitudes sont 4-4-4. Je pourrais les améliorer mais j'ai pas assez tout simplement. Mais oui, je pourrais les améliorer techniquement. Mais bon, c'est pas un problème. Si jamais je vois que je fais peut-être pas assez de dégâts parce que j'ai peut-être pas assez de taux crit, enfin que je crit pas assez, je changerai peut-être ma couronne pour une couronne, enfin ma couronne dégâts crit pour une couronne taux crit, ce qui du coup me baisserait forcément. Mais au niveau stats, ça augmenterait quand même pas mal. Du coup je prends celle-là au pif, hein, parce que du coup voilà. Mais du coup je passerai plus, enfin je gagnerai un peu d'attaque et je perdrai du taux crit, mais je gagne, enfin je perdrai du dégâts crit, mais je gagnerai quand même pas mal de taux crit. Et ça rend quand même pas mal mieux. Le problème c'est que j'ai pas le set qui irait avec, du coup bah c'est dommage. Du coup bah, on va se démerder avec ça. Oups, je me suis trompé de bouton. Tac tac tac. Alors les guys, tout simplement on va commencer avec Tartaglia parce que c'est le plus proche. Comme vous pouvez le voir, on est sur on est tout simplement sur la chambre de jade de Nick Wang. Et on va aller voir Tarta qui se situe juste en dessous ici. Et on va en fait c'est simple parce que du coup bah là j'ai juste à voler jusqu'à en bas. Et du coup bah ça va être très rapide. C'est très stylé d'ailleurs les gars. Ah, par ailleurs les gars, dites-moi si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo dans laquelle je parle de Yelan, parce que je ne la poudrerai pas, bien sûr, je ne la poudrerai pas parce que je n'ai pas assez de vœux, et que j'économise pour Kazuha, donc j'ai 15 vœux, tout ça. Mais oui, on aurait pensé que j'ai que 15 vœux, mais en fait parce que j'ai fait deux poules, enfin deux ten poules pour avoir des astéries pour acheter des trucs du mois, mais je suis toujours passé, bon c'est pas un problème. Et en gros là, je dois être à peu près 32 pity, donc c'est quand même déjà pas mal par rapport à zéro quoi. Du coup c'est quand même pas mal. Alors, bref, on verra plus tard dans une prochaine vidéo, c'est pas un gros problème ça en attendant. Mais du coup bah voilà, tout simplement parce que j'économise, parce que du coup je ne laisserai pas passer Kazuha en fait. C'est mort, 100% je l'ai là parce que genre je veux pas le perdre en fait. J'ai pas envie de rattendre un nouveau rerun pour l'avoir, étant donné que bah, déjà son rerun était très long et que c'est probablement le perso le plus attendu du jeu en ce moment là. Donc ouais, je ne laisserai pas Kazuha passer. Même si je suis en 50-50 les gars, je m'en fous, je vais me démerder pour l'avoir. Ok donc les gars, on est sur Tartaglia. J'en ai même pas parlé du coup, là on est arrivé, on a lancé le défi sans même parler. Merde, j'ai oublié de vous montrer le but de mon section, je vous montrais tout à l'heure au pire. Tac, directement 5000. Ça veut dire quand même pas mal les gars, c'est quand même pas mal de dégâts. Hein. Je sais qu'il y a des Keqing, il y a des gars qui ont des builds, mais c'est insane. Genre ils font des 60 000 avec le... en attaque chargée avec Keqing. Je n'ai aucune idée de comment ils font ça. Quel genre de magie noire est-ce qu'ils utilisent. Mais moi, je fais quand même des dégâts et ça me suffit. Tac, on va utiliser directement. Tac. Eh, 26 000 quand même. Hein. Et mine de rien, les gars, quand même, je fais quand même du dégât. Hein. Parce que les gars, comparé au team que je faisais avec Chichi, la voyageuse, là où je prenais une demi-heure à battre des boss, là. Et bah là, on est quand même pas mal du tout. Allez, la musique de bagarre. Oh la merde.
Oh la bourde. Tac, esquive, on va sur le pyro directement sur sa gueule. Hop, tac. Directement. Hop, le double A. Hop. Et là, on va attaquer. Aïe. Eh, hey, quand même, hein. On fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on peut, j'ai envie de vous dire. Mais ça va. Je sais pas du tout comment est-ce qu'ils font les gars pour avoir des builds aussi puissants. Ils font des 60 et tout. Peut-être la team, j'ai pas forcément la super team, mais bon. Les meilleures teams pour fishing, j'ai pas forcément les personnages quoi. Donc, voilà, voilà quoi. Après, je sais peut-être pas aussi forcément la méthode pour jouer coaching parce que je suis un peu. J'ai jamais joué avec elle, donc je suis un peu mauvais peut-être. Parce que je sais ce qu'il faut faire des attaques chargées généralement. Tac, tac, hop. On va attaquer en électro directement. Et ça est bientôt fini. Et c'est fini. Les gars, le fight le plus rapide que j'ai fait en vidéo, aux limites, tellement que tu es plus rapidement que les autres personnages. Du coup, est-ce qu'on a un solvant? Et oui, le solvant qui vient directement rejoindre l'équipe. Incroyable. Avec deux trucs, deux Tartaglia. C'est magnifique. Je suis heureux d'avoir eu un solvant parce que je connais des gens qui n'ont pas de solvant. Et moi, je ne fais pas partie de ces gens-là. Du coup, les gars, maintenant qu'on a battu notre ami Tartaglia, on va probablement aller battre Azdaha. Non, on va faire Azdaha et ensuite on fera un boss qu'on n'a pas encore fait, c'est-à-dire la Signora. La Signora, je ne l'ai pas du tout fait en vidéo. Enfin, si, j'ai peut-être fait en vidéo plus des fois, mais je l'ai jamais fait dans les vidéos récentes. En ce moment, j'allais dire. Et oui, donc dans les vidéos récentes, je l'ai pas vraiment fait. Parce que, avec les teams que j'avais, c'était quand même assez compliqué de faire des gros dégâts, quoi. Et du coup, là, on a les bons éléments. On va pouvoir faire du dégât en masse. Du coup, les gars, je tenais à vous remercier. Parce que là, en ce moment, je suis super content là sur YouTube. J'ai gagné à peu près 12 abonnés en 2 semaines et demie. Et je suis super content. Là, ça, mes vidéos recommencent à bien marcher. Et je suis très content. Tard à l'époque de Fortnite, je faisais du 100 vues minimum à chaque vidéo. Ça, c'était la bonne époque. Mais bon, Fortnite, bon. Est-ce que je pense que vous êtes d'accord pour dire que c'est un peu dépassé et que c'est un peu n'importe quoi maintenant? Directement, le coup de tête dans le sol qui est effectué. Aïe, ça fait mal. Mais bon, trop de puissance en fait. Tac, on va. Hop, hop, j'ai fait de la merde. J'ai très mal calculé mon truc. Allez, on utilise coaching. Yes, il s'envole. Merde, mais y'a rien qui va. 3000 piles, il est magnifique par contre. Oh, 18 000 les guys. 18 000, moi je dis pas non. Mais les gars, regardez déjà, j'ai déjà enlevé un bon cinquième de sa vie. Hein. J'aurais jamais pu faire ça avec Chico quoi, par exemple. Quoi. La voyageuse aussi, c'est pas envisageable. Alors, d'ailleurs, la vidéo sur la voyageuse, les gars, qui a fait 100 vues. Je suis très 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 content. Et j'ai une vidéo aussi sur le serpent d'Irwin. J'aurais jamais cru qu'elle fasse autant de vues et qu'elle en fait toujours autant. Et aucune idée pourquoi. Les gens vont s'intéresser vachement à certains modes d'Irwin. Ah, il absorbe la puissance pyro. On va reculer parce que j'ai pas envie de crever. Allez, là il fait sa danse. Allez, c'est bien. Allez, saute loulou. Et hop là. Et là il va s'énerver. Grrr. Du coup, je comprends pas ce que tu dis. Y a pas de sous-titres en fait. Donc bah, ça sert à rien. C'est sympathique. Le incroyable. C'est Clash Royale le truc. Tac, on va soir du pyro. Hop, là directement. Hop, clac, clac, clac. Les Utsuncho. Et là, on va attaquer avec Kuching. Let's go. Aïe. Allez, on attaque en électro. 4000, 9000, 9000, 8000. Hop, directement. Oh là, Kuching en vrai. C'est carré dans l'axe. T'es mal les dégâts, t'es mal les dégâts. C'est carré dans l'axe. Hop. Tac. Tac. Hop. On va sur. Merde. Non. Absorbe pas de puissance d'éléments. Je sais pas quoi là. J'ai tous mes outils pour faire des dégâts là. On va le reculer parce que sinon il va démarrer. Cours, Benny. Ok, c'est bon. Putain, mais les gars, en une phase, on lui a enlevé. Enfin, deux phases au total, on lui a enlevé deux tiers de sa vie. C'est déjà quand même. C'est incroyable. Là, le cryo, ça va faire un max de dégâts. On va faire du gel, de l'évaporation, de la fonte.
directement. Dame les gens, c'est Chibun Shape. Est-ce que tu veux un selfie à 36 balles? Et aussi, tac, directement. Aïe, 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 aïe. J'aurais peut-être dû prendre un shield contre Asda, hein. C'est, ouais. Ça aurait peut-être été un choix judicieux. Merde, reviens. Aïe, 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 aïe. Directement l'ulti. 3000. Ulti 3000 directement. On dirait le nom d'un truc de sport, genre. Bienvenue chez l'ulti 3000. Allez, un maximum de dégâts, de DPS, le coup de tête. Et bah Bennett il se prend un giga coup de boule. On va éviter que Bennett il meurt parce que bah c'est un peu le seul qui peut soigner quoi. Et c'est le seul qui garde cette équipe hors de l'eau. Garde la tête hors de l'eau quoi. Et Asdaha s'est éclaté directement. C'est carré. Oh les gars, coaching. Bon, je vais commencer à du coaching plus souvent si c'est pour jouer comme ça. Hein. Moi ça va. Alors oui, c'est pas les scores des gens qui font des trucs incroyables. Allez, le chapeau dégâts crit. Allez, c'est nickel. Le solvant. Allez, c'est nickel. Ça par contre, ça c'est vraiment nickel. Ça c'est nice. Ça par contre, je suis heureux, tu vois. Ça c'est la joie. Qui a des solvants comme ça, deux d'affilée directement. Et peut-être trois d'affilée vu qu'on va aller battre directement la Signora. Ça fait un bail que je l'ai pas battu, mais on va tenter de l'éclater le plus rapidement possible. Je déteste ce boss, tout simplement parce que vraiment la montée de chaleur et les trucs froids là, c'est hyper chiant. Ça c'est vraiment une des, comment ça s'appelle, une des mécaniques, comprendra qui pourra, une des mécaniques que je déteste le plus dans ce boss. Vraiment c'est hyper chiant. Du coup, bah on va aller l'éclater avec Keqing, meilleur perso du jeu. Désormais, c'est moi qui l'ai dit. Et ouais. Pourtant, elle est pas si bien classée dans les, enfin, genre c'est dans les tu vas voir des tier list généralement, elle est S tier genre. Mais elle est pas SS, tu vois. SS plus max XD lol, incroyable, trop bien. Achetez-la. Mais ouais, Keqing. Par contre, j'ai vu des mecs qui mettaient des 60 000. Mais votre Keqing, elle sort d'où, les gars? J'ai dit 273 de dégâts crit et. Enfin, 271 de dégâts crit et pourtant, je fais pas autant de dégâts, moi. Expliquez-moi, quelle est cette magie noire? Du coup, la Signorax. Je tremble de rien du tout, mon ref. C'est juste que je tremble d'excitation pour t'éclater la tronche, en fait. Oh, directement. Fait chef de fou, bah je t'éclate trop. T'es mal dégâts, t'es mal DPS, le dups. T'es mal le dups. Hop là. Hop là, on va swirl tout ça directement. Ça dégage. Hop, hop, hop. Là, on retaque, tac, tac, ulti. Oh, c'est pas 3000, mais ça fait quand même du dégâts. Bon, faut que j'aille me réchauffer un moment. Mais les gars, t'es mal la première phase. T'es mal. Je l'ai éclaté au sol. Eh hey, la Signora, tu fais pitié de fou. Je rigole. Non mais en vrai les gars, je m'attendais pas à faire autant de dégâts en fait. Je suis surpris de moi-même tellement en fait je suis bon en fait les gars. Mais ça mérite un abonnement moi je dis hein. Les gars, vous devrez vous abonner à cette chaîne. Ouais du coup les gars, merci de vous abonner en ce moment parce que ça fait super plaisir. On va y récupérer le petit papillon. Ça fait du bien de changer de boss aussi parce que du coup je fais tout le temps les mêmes généralement. Et du coup ça fait du bien de changer. Oh là là, oh le froid et. Doudou bijou. Directement. Et le papillon, let's go! Ça dégage ça mon petit pote. Qu'est-ce qui se passe? Et le glaçon qui est cassé directement du côté verse. Bam, le pyro. Hop, et directement l'envoyer jusqu'envoyer valser. Incroyable. Mais qu'est-ce que je m'en fous mon pote? Tu sais pourquoi? Parce que je suis Arsène. Et que j'ai une commu super sympa. Et que du coup bah je vais t'éclater. Ça veut aucun rapport mais bon je vais t'éclater quand même. Je cherche pas à comprendre mon petit pote. Tac, on va attendre. Hop là, hop. Et là le dups, le DPS. Putain mais t'es ma sa barre de vie. T'as aucune chance. Après je crois que c'est expérimenté. Je suis insupportable. Bon allez, t'as vu tellement je suis fort et fuis en fait. C'est dingue ça. Allez hop. Hop. Là le hydro qui va faire mal. Tac tac. Tac tac. On swirl et tac.
stack. Ça va pas souvent, c'est pas grave. Hop là. Directement, le dégât, le DPS. Le DPS qui est recherché du côté adverse. On récupère le froid parce qu'on est un peu froid, on est un peu chaud là. On est pas bien là. Qu'est-ce que je raconte? Ouais, j'ai trouvé des trucs pour meubler parce que je peux vous parler quoi. Tac, tac, hop, tac, on ulti, tac, tac, et là c'est le dégât. Là c'est du DPS pur. Oh mais casse, putain, mais tu fais chier toi, t'enfuir H24, tapette. Rosaline, Kruskalo, Effacer là. Tu es nul. Directement le DPS qui va chercher du côté adverse. Hop, peu là. Tac, on est sur du dégât un maximum, bien sûr. Tac, on va double EA. Et elle est partie, c'est pour ça que ça peut marcher. Sucrose qui fait un A directement inutile. Bien marrant comme on aura bien rigolé, on avouera. J'ai chaud, il faudrait que je fasse quelque chose parce que sinon je vais crever. Yiii, j'ai bien fait de changer de personnage, j'ai failli crever. Allez, Bennett, ton ulti s'il te plaît. Hop là, ça c'est nickel. Mais arrête de fuir putain. Tu saoules. Allez hop, voilà, c'est tout entendu que Bennett me soigne. Hop, le 18 000 directement dans la tronche qui fait mal. Hop là. Alors directement. Tac. Allez, vas-y, énerve-toi. Oh non, tornade. Cette phase tornade, elle est éclatée. Elle est nulle à chier, honnêtement. Allez, Benny. Juste faire ça pour que tous les trucs réapparaissent. Hop. On va swirl. Eh, la première phase quand même elle est moins vite. Enfin elle est plus vite. Allez. Hop le dégât. Eh oh Bennett là, s'il te plaît sonne-toi. Mon ref. Bennett mon frérot là. Le frérot Benito là. Benetto. Aïe, aïe. Ah oui, let's go, Bennett. Allez, non, Bennett, il est mort. Ah, Bennett. Vite. Non, mais je suis un putain de triso. Oh là là, le petit qui servait à rien. Let's go, Sucrose. De toute façon, j'ai pas besoin de toi, en fait. J'ai besoin que de coaching, en fait. C'est... Mais j'ai besoin de personne, sauf de ma coaching. Oh là là, oh là, oh là mon ref. Ah, regarde ça, regarde ça, regarde ça, regarde ça, regarde ça. Tac. Putain, elle s'enfuit encore, mais tu fais chier. Arrête de t'en faire avec ton fouet de merde. Je vais t'éclater, moi. Tac, regarde que tic directement. Hop là. Un signora de merde. Ah, tu fais moins de mariole. T'arrêtes de faire le pitre, maintenant. Directement, regarde, là, le solvant qui aura à venir... Merde, bon. Il y a pas, il y a un solvant, vous avez juste pas vu. Waouh, le solvant, putain, merci. Oh là là, waouh, putain, le... Oh, je suis trop chaud, putain, 3 solvants d'affilée en plus. Waouh, aïe, 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 aïe. Un monstre, je vous dis, un monstre. Je suis incroyable. Abonnez-vous. Ok. Bon, les gars, je suis surexcité, j'ai un problème. Mais bon, je suis content de faire des vidéos en ce moment, de fou. Les gars, en plus, j'ai pour enfin trouver mon rythme, du coup, bah voilà. Mais du coup, ouais, ça fait à chaque fois que je me coupe tout seul, en fait. Je m'auto-coupe. Du coup, les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo. Ce serait tout pour cette dernière. Alors... Mais n'hésitez pas à lâcher un like et un pouce bleu. Encore une fois, je dis tout ça dans la même dans les vidéos, mais je me trompe à chaque fois. En fait, je veux dire, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner et à partager la vidéo. Ça fait super plaisir. N'hésitez pas du coup à vous abonner si vous avez trouvé que ma coaching était quand même assez forte. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, c'était Arsène et bye bye les gars. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous aime beaucoup et je suis content en ce moment parce que les vidéos elles sont trop bien. Merci. 影分身の術!